on va vous démontrer aujourd'hui comment réparer une crevaison sur un vélo. J'ai apporté, avant tout, je peux vous dire que les principales causes des crevaisons, c'est un gonflement inapproprié, c'est pas assez gonflé, ça c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses qui fait des crevaisons, c'est le fond de jante qui peut être endommagé, puis qui peut crever la chambre à air à l'intérieur. C'est les principales raisons, évidemment, à part de ce qui peut arriver sur la route. Des débris ou des voies ferrées ou des trous, ça, si vous êtes pas assez gonflé, vous allez avoir probablement des crevaisons. Maintenant, juste pour vous expliquer un peu, c'est important d'acheter la bonne chambre à air. Ça dépend de quel genre de roue vous avez. Il y a différentes formes de roues. Comme celle-là, c'est une roue de vélo de montagne. Elle est un petit peu plus petite qu'une jante de vélo de route. Fait que ça prend une chambre à air un peu plus petite. Mais sur la chambre à air, vous allez voir qu'il y a des mesures dessus. Vous regardez comme celui-là, c'est marqué 700 par 23C. Fait que lorsque vous voyez ça, 700 par 23C, 700 c'est pour le diamètre de la roue, puis 23C c'est pour la grosseur du pneu. Fait que vous regardez dessus, puis vous achetez la chambre à air qui correspond à votre pneu. Mais si vous allez directement chez le marchand de vélo, vous apportez votre vélo, il va vous en donner une tout de suite, vous n'aurez pas à vous casser la tête pour ça. Il va vous indiquer qu'est-ce que ça vous prend. Aussi, sur le pneu, il est indiqué à un endroit, il s'agit juste de bien regarder, à combien vous devez mettre de livres d'air dedans. La plupart des pneus, comme celui-là ou ceux-là, on peut aller jusqu'à 120 livres, dépendamment de la configuration de la route. Là, quand les routes sont mauvaises, on est porté à mettre au moins 100 livres, le minimum. Puis plus que la route est mauvaise, plus vous durcissez, parce que c'est ce qui... lorsque vous faites une crevaison, c'est le pneu qui s'enfonce, puis la chambre à air vient cogner sur la jambe. C'est ça qui cause, parce que souvent, c'est pas assez gonflé. Fait que lorsque vous gonflez comme il faut, en général, on est bon pour longtemps. Ce que je vous suggère aussi, c'est lorsque vous avez fini votre randonnée, de dégonfler légèrement votre pneu, parce que le problème qui arrive avec les chambres à air, c'est le point faible, c'est au niveau de la valve. Fait que si vous gardez une pression tout le temps élevée dans votre pneu, bien la chambre à air, au niveau de la valve, ça détériore plus rapidement. Fait que je vous suggère toutes les fois de dégonfler légèrement là, pour qu'il soit mou un petit peu. Fait que comme ça, ça enlève de la pression sur la valve. Bon, maintenant, pour les outils pour changer une crevaison, vous en avez beaucoup, là, il y en a beaucoup différents. Vous avez des modèles comme celui-là. Vous avez des modèles comme ceux-là aussi. On va vous montrer comment ça fonctionne. Puis, pour les pneus qui sont vraiment durs à enlever, qui n'est pas recommandé, vous avez des clés en métal. Mais ça, c'est dangereux de travailler avec ça. Vous pouvez faire une crevaison juste à essayer de l'enlever. Comme moi, mon pneu commence à être usé à l'arrière. Fait que ça va être la bonne occasion de l'enlever puis de le mettre à l'avant à la place. Puis je vais prendre celui de l'avant puis je vais le mettre à l'arrière. Pourquoi? Parce que vous prenez... à peu près la durée de vie d'un pneu, c'est... deux à l'arrière pour un à l'avant. Vous changez deux fois plus souvent les pneus arrière que le pneu avant. Fait que là, le mien commence à être usé pas mal, fait que je vais le changer de place. Comme ce vélo-là, ben c'est un vélo de compétition, mais la majorité des vélos maintenant, ils ont des quick release qu'on appelle comme ça ici. Fait que ça, c'est relativement facile à démonter. Puis, c'est rapide, puis ça tient vraiment bien votre roue en place. Je vais vous montrer, pour enlever le quick release, vous l'abaissez. Vous dévissez légèrement. La roue sort.
Ah, mais auparavant, c'est vrai que je vais vous expliquer qu'avant d'enlever la roue, ce qui serait préférable de faire, c'est d'écarter les mâchoires des freins. Comme moi, sur mon vélo, ben j'ai un petit bouton ici pour l'écarter. Mais sur les vélos normaux, qui ne sont pas de compétition, comme le vélo qu'on a ici, lui, c'est un frein à disque. Ça, c'est un petit peu plus compliqué aussi. C'est quand on voit, c'est un frein à disque. Là, on n'a pas de vélo, par exemple, avec des... la plupart des vélos maintenant, c'est avec des... comment est-ce qu'on appelle ça? Donc comme les vélos de montagne auparavant. C'est un câble qu'on enlevait, puis c'est relativement facile à démonter. Si on regarde, on va continuer avec celui-là. Aussi, si vous avez à démonter la roue arrière, ce que je vous suggère de faire, c'est toujours de changer les vitesses et de la mettre sur la plus petite gear à l'arrière, tout le temps. Parce que c'est plus facile à remettre auparavant. Fait que vous descendez les vitesses pour le mettre sur la plus petite gear. On descend les vitesses. Qui se retrouve sur la dernière gear. J'écarte ma mâchoire de frein. Moi, j'ai un petit bouton ici, là, mais c'est pas tout le monde que ça, là, mais ça écarte mon frein à l'arrière. Fait que là, c'est plus facile à enlever la roue. Pour enlever la roue, ben, c'est très simple. On lève, avec la main gauche, on tient la roue, le hauban ici. On pousse vers le bas. La chaîne se retrouve la chaîne se retrouve à se démonter facilement là, de la roue. On enlève la roue. Si vous êtes seul, ben ce que je vous suggère, c'est de prendre le vélo, de l'accoter sur un mur, de cette façon-là. Si vous enlevez la roue avant. Fait que comme ça, il se tient tout seul. Pour changer la roue, le pneu, c'est-à-dire. Celui-là, il est gonflé, évidemment. On dégonfle. Puis une fois qu'il est complètement dégonflé, on pousse la valve à l'intérieur un peu pour être sûr qu'elle n'est pas coincée. Et on décolle le pneu un peu de la jante. On décolle la jante. On prend une clé, préférablement en plastique. Il y en a plusieurs modèles. Celle-là, l'avantage qu'elle a, c'est qu'il y a une espèce de petite coche qu'on peut glisser. La valve est en bas. On prend à l'opposé, on glisse la clé à l'intérieur, on soulève. Celui-là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut la mettre, l'accrocher après un rayon. On en reprend une autre. En général, deux, c'est suffisant. Trois, c'est bon aussi, là. On fait la même chose, on glisse à l'intérieur. On va prendre la troisième. Fait que là, la roue, le pneu vient de sortir de la jante. Là, ce qu'il faut faire attention, évidemment, si c'est une crevaison, c'est pas un problème. Mais on prend la clé encore, avec la petite coche qu'on voit là, on la glisse à l'intérieur du pneu, puis on y va doucement. On décolle. Là, évidemment, il n'y a pas de danger parce que la tripe est déjà crevée. Fait que même si on l'accroche, c'est pas un problème. Une fois que c'est fait, que le pneu est complètement sorti, on prend la chambre à air, on la dégage. Ensuite, on enlève la valve. Et voilà pour la chambre à air. Si vous avez à changer de pneu au complet, ben c'est assez facile. En général, c'est pas un problème. Et voilà la roue. Comme celle-là, ben elle a un fond de jante qui est bien, bien propre. Fait que ça empêche les crevaisons. Il faut vérifier pour voir si c'est bien propre. Si vous avez complètement enlevé votre, euh,
votre pneu. Mais vous n'êtes pas nécessairement, obligé d'enlever complètement votre pneu. Je vais vous montrer avec, lorsqu'on change une chambre à air, on prend la roue avant, même chose, on dégonfle. Une fois dégonflé, on reprend les clés à flat. À l'opposé de la valve, on insère la clé à l'intérieur. On l'accroche après le rayon. Une deuxième clé. Encore une fois après le rayon. J'imagine aussi que avant de l'enlever, ça doit être bon de regarder quelque chose qui est oui, mais une fois, si vous êtes capable de voir à quel endroit il y a eu une crevaison, mais souvent, c'est comme je vous dis, c'est plus parce que c'est pas assez gonflé. Ça, quand c'est pas assez gonflé, on peut pas voir de l'extérieur. Mais c'est certain que s'il y a un objet qui est rentré dans votre pneu, là, on peut avoir des problèmes. Souvent même, il peut y avoir un trou. Et là, à ce moment-là, on peut trouver des morceaux de carton, n'importe quoi, qu'on peut glisser à l'intérieur pour faire une patch temporaire pour pouvoir continuer. Si vous avez des questions, hein, gênez-vous pas, là. Fait que là, une fois que c'est rendu comme ça, mais souvent deux, c'est suffisant même, on peut glisser la clé à l'intérieur et on enlève la clé, on glisse. Il est dur, celui-là. Ça dépend des pneus. Il y en a qui sont plus durs que d'autres. Il s'agit d'y aller. Celui-là, il est moins usé que l'autre. Fait que c'est pour ça qu'il est plus raide un peu. En fait, il ne faut pas être trop pressé. Puis lui, vu qu'il n'y a pas beaucoup de rayons, j'ai pas autant d'espace pour pouvoir l'accrocher. Bon, une fois que c'est enlevé, prendre la troisième. On y va doucement. Sur la route, tout ce qu'on a à faire, on n'a pas nécessairement on n'est pas obligé d'enlever complètement le pneu. On dégage, on prend à l'opposé de la valve. On tire la chambre à air. Quand on dit que tu avais posé de la valve est ici. Oui. Je me place là. J'enlève la chambre à air à partir de cet endroit-là. Par la suite, je sors la chambre à air en écartant. Si on n'a pas la force physique là, pour vraiment décoller, est-ce qu'un lubrifiant ou... Oh, en général, c'est pas si difficile que ça. Non. Ça paraît compliqué, là. C'est parce que ici. Ce pneu-là, c'est un pneu raide. Ce n'est pas vraiment un pneu mou. Là, il est assez raide. Mais en général, ça va assez bien enlever ça. Puis pour... On peut-tu l'ouvrir d'un côté ou de l'autre? Quand... Oui. Le côté, c'est peu importe. Peu importe. Là, vu que je vais changer la chambre à air tantôt, le pneu, je vais changer de roue. Je vais vous montrer comment... Si on n'a pas à démonter complètement le pneu... C'est facile, on prend la nouvelle chambre à air. On commence par trouver où est l'endroit de la valve qui est là. On gonfle légèrement la chambre à air. Ça peut même se gonfler à main, à la bouche. Juste pour y donner une petite forme. Comme ça. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir dans la bouche. Vous pouvez prendre aussi une petite pompe. Comme moi, j'en ai une pompe qui est sur mon vélo. C'est plus compliqué un peu que les nouvelles pompes, mais par contre, ça fait la job. C'est tout petit. Ça se place sur le vélo, ça peut être n'importe où. On rentre ça dedans. Ce qui est important, c'est de ne pas... il ne faut pas forcer. Hein? C'est-à-dire que la valve, là, il ne faut vraiment pas s'en servir comme appui. C'est-à-dire qu'on prend... La pompe elle-même, puis on gonfle tranquillement. C'est sûr que celle-là, c'est long, là.
C'est pas comme une grosse pompe. Mais ça dépend. Fait que là, on dégage. On ferme la petite valve. Et puis, on remet. Si on prend la roue ici, je vais changer. On va prendre mon autre roue. On va changer le pneu complètement. Oui, je fais ma rotation. Bon, OK. Puis ça, je le mets comme ça. On remet le pneu dessus, la jante. Une fois que c'est mis, qu'on a bien fait le tour, qu'on a vérifié à l'intérieur du pneu avec les doigts s'il n'y a pas des objets qui pourraient avoir percé le pneu. On vérifie. Là, il n'y a pas d'objet. À l'intérieur de la jante, il n'y a rien non plus, il n'est pas brisé. À ce moment-là, on reprend notre chambre à air qu'on vient de gonfler légèrement. On trouve l'endroit où est la valve, qui est ici. On écarte légèrement, on entre la valve dans le trou. Donc, en gonflant légèrement la chose, c'est plus facile à manipuler, c'est ça. On la glisse à l'intérieur, doucement, parce que la valve, c'est toujours un peu le problème, moi. C'est ça, la valve, c'est toujours un peu le problème, le point faible d'une chambre à air. Là, on la glisse à l'intérieur. On s'assure qu'elle est bien alignée. Il ne faut pas qu'elle soit croche, la valve. Il faut vraiment qu'elle soit perpendiculaire à la jambe. On entre la chambre à air à l'intérieur. Une fois qu'elle est bien rentrée à l'intérieur, on s'assure qu'elle n'est pas coincée à aucun endroit. Là, on commence un peu, toujours par la valve. Doucement, on entre l'autre partie du pneu en poussant sur la chambre à air. La chambre à air, on la pousse en même temps. On fait le tour doucement. On pousse la chambre à air à l'intérieur et on tire le pneu. Pousse la chambre, on tire le pneu. Là, je vois qu'il se décolle d'ici, fait que je vais le remettre comme ça. On pousse la chambre à air. Ouais, là, ça commence à être plus difficile. Pour les femmes, c'est plus compliqué. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est bien s'assurer que la chambre à air est bien à l'intérieur. Si vous trouvez que c'est trop difficile, vous reprenez la clé à crevaison. Vous vous assurez de ne pas pincer la chambre à air. Vous la glissez sur la jante. Vous levez le pneu. On prend un autre. On s'assure toujours que la chambre à air n'est pas coincée. On remet l'autre encore. Il faut y aller doucement, on n'est pas pressé. Ensuite, on continue. Doucement. En retenant pour pas qu'elle sorte de l'autre côté. Le truc, c'est de ne pas coincer la chambre à air. Puis une fois qu'on a fait ça, on s'assure que la valve est bien droite, pas qu'elle soit croche. On pousse la valve vers l'intérieur pour être certain qu'elle n'est pas coincée entre le pneu et la jante. On la pousse à l'intérieur un peu. C'est beau. Fait que là, on fait le tour. Oui. Si elle est croche, il faut recommencer au complet? C'est quand on la remet, la chambre à air, il faut s'assurer qu'elle est bien droite. Quand on s'assure qu'elle est bien droite, il n'y a pas de problème. Si elle est croche, c'est sûr que vous allez avoir du trouble. C'est sûr, vous allez avoir du trouble au niveau de la chambre à air, à un moment donné, c'est là qu'il va devenir le problème. Là. Le point faible de la chambre à air, c'est toujours la valve. Fait que là, on regarde tranquillement pour être certain que la tripe n'est pas pincée. On regarde, on pousse légèrement le pneu, on regarde tout le tour, on fait tout le tour.
Là, on est bien assuré. Je fais des deux côtés. Oui, je le fais des deux côtés. Surtout là, parce que là, j'ai enlevé complètement la tenue. Fait que là, je le refais de l'autre côté. Pour être certain que la chambre à air n'est pas coincée. Et puis, on gonfle. Pour gonfler, ben idéalement, c'est certain que c'est une grosse pompe qui est l'idéal. Ou cette petite pompe-là, qui nécessite aucun outil, là. Facile à utiliser. Puis, on peut donner jusqu'à 120 litres de pression. C'est pas de problème avec ça. Sauf qu'il ne faut pas être patient parce que c'est long. C'est long. Fait que c'est pour ça que je vais utiliser plutôt la grosse pompe. Sur ce pneu-là, c'est marqué qu'on peut mettre jusqu'à 120 livres de pression. Fait que je vais mettre 120 livres. Avec les routes au Québec, on est mieux de mettre probablement plus près du maximum que passé. On dévisse un petit peu la valve. On s'assure que la valve n'est pas coincée. On pousse avec le pouce la valve vers l'extérieur. On pousse la valve vers l'extérieur. On entre la pompe. Et maintenant, je peux gonfler. Puis lorsqu'il est gonflé au montant que l'on veut, on enlève la valve. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant ou ça va? Ça paraît compliqué, mais ça l'est pas tant que ça. J'ai une feuille avec toutes les détails, j'ai une main là-dessus. Oui. On essaye les bonbonnes. On peut essayer les bonbonnes. Une question? Oui. Tantôt, vous avez parlé de la chambre à air. Moi, je suis allé m'acheter une chambre à air. Alors, j'avais les dimensions, j'avais la facture de quartier de vélo, puis qu'il y avait la dimension de ma roue. Et qu'il me dit, tiens, il dit, c'est celle-là. Il dit, maintenant, ça va quel diamètre à tel diamètre. Oui. Autrement dit, si ma roue avait eu 2 pouces de plus, ça aurait fait pareil. 2 pouces de moins, ça aurait fait pareil. Bien, sur la boîte de la chambre à air, c'est marqué. C'est marqué, oui. Si on regarde sur la boîte d'une chambre à air, il y a toujours plusieurs indications. Un, on a le diamètre de la roue. Celle-là, c'est des roues 600. Fait que 600. Il y a aussi le pneu. Ça, c'est du 25 mm. C'est marqué dessus. Oui. Lorsque vous achetez votre... Vous assurez là, que ça fonctionne bien avec votre pneu puis votre chambre à air. Mais en général, les marchands de vélo, là, ils savent. Ils vont vous donner la bonne... si vous arrivez avec votre pneu, là, ils vont vous donner la bonne grandeur. C'est marqué sur la boîte. Des fois, il y a une petite variante. Je pense que le 23 peut faire sur le 25. Oui. Ça peut faire, mais idéalement, c'est peut-être mieux de prendre. Ce qui est marqué, oui, dessus. Vous allez avoir moins de troubles. Fait que là, je vais changer mon autre pneu. C'est le même principe que tantôt. Pourquoi vous avez moins de rayons sur ce pneu-là? C'est parce que c'est des roues de compétition. Fait que c'est fait pour être léger, le plus léger possible. Puis c'est aussi moins qu'il y a de rayons. Comme ça, c'est des roues, c'est vraiment rigide, là. C'est vraiment très, très rigide. Les rayons sont droits. Quand c'est des rayons droits comme ça, là, qui ne sont pas comme ici, là, vous les voyez, ils sont un peu en diagonale, en biais. Ça, c'est plus smooth, c'est beaucoup plus confortable. Des roues comme ça, ça cogne dur, là. C'est direct. Aussi, ce que je vous suggère, quand vous avez un étui pour mettre les chambres à air, un petit coffre comme ça, là, c'est pas tellement dispendieux, puis c'est tout petit, puis ça peut contenir, moi ça contient tout ce que j'ai besoin. À l'intérieur de ça, j'ai mes clés à flat, j'ai également un sac Ziploc, puis la poudre que vous voyez là, c'est pas de la coke. C'est tout simplement du talc.
Pourquoi du talc? Parce que la chambre à air qu'il y a là-dedans, ce qui se produit, c'est qu'elle va sécher, parce que vous, évidemment, vous ne faites pas des crevaisons tous les jours. Si vous ne mettez pas de talc, elle va sécher. Puis lorsque ça sèche, bien, si vous mettez une tripe qui est sec, ça ne sera pas long que vous allez faire une autre crevaison. Fait que moi, je mets du talc dedans mon sac Ziploc. Fait que ça empêche de sécher. Fait que c'est relativement simple. Puis aussi, vous pouvez avoir des petits outils comme dans ce genre-là, des multi-outils, là, qui servent à peu près pour un vélo, vous pouvez démonter n'importe quoi avec cet outil-là. C'est tout petit, vous le mettez dedans. Vous n'avez pas de problème. Il y en a qui... Les anciens vélos n'ont pas de quick release. Ça commence à se compliquer un peu, par exemple. Quand vous n'avez pas un quick release comme ça, vous avez des boulons. Des boulons, en général, ça prend une clé ou un... Ça, c'est plus compliqué, là, parce qu'il faut le démonter. C'est pas universel. Tandis que ça, ben c'est clair là, que c'est très simple à démonter. On prend notre chambre à air, qui est encore bonne. Une affaire aussi, mais remettez pas la vieille, là. Remettez pas la vieille. Vous remettez la vieille, là. Fait que là, on retrouve là, où est l'endroit de la valve. On glisse la valve à l'intérieur. Là, j'aurais dû le gonfler un petit peu, c'est plus facile. Parce que la roue, elle prend la forme tout de suite. La chambre à air prend la forme. Gonfle légèrement. On ferme la valve. Pas qu'il se dégonfle complètement. Ah, ça aussi, la petite pinouche, oui. On ne pense pas toujours. Oui. On pense que c'est correct, il n'y a rien qui marche, parce qu'elle n'est pas ouverte. Ouais, c'est ça, il faut l'ouvrir. Il n'y a pas de rien au bout. Ici, vous avez un petit... C'est tout petit, mais il faut le dévisser, parce que sinon, ça ne gonflera pas. Là, on glisse à l'intérieur. Mais le talc, par exemple, c'est ça qui est le problème, là, c'est que ça salit un peu. Là. Mais avec des gants, c'est... Ah, c'est ça. Ça, j'avais oublié de mentionner. Là. Lorsque vous démontez une roue, c'est préférable d'avoir des gants de chirurgien, parce que c'est à cause de la chaîne, souvent. La chaîne, c'est pas propre. Fait que avec ça, ben, vous vous sauvez de manipuler la chaîne pour rien. Là. Moi, ma chaîne est relativement propre. Je suis correct. Bon, fait que là, on se place à la valve. On s'assure que la tripe est bien rentrée. On pousse un peu. On rentre la tripe tout le tour. Fait que ça, c'est certain que souvent, les tripes, ils rentrent pas nécessairement comme il faut dès le premier coup. Fait qu'on commence à la rentrer un peu, on la pousse, on rentre le pneu en même temps. Puis souvent, on n'a même pas besoin de... Les gars, en général, on peut le faire sans clé pour mettre la tripe à l'intérieur. Mais comme ce pneu-là, c'est un pneu qui est quand même raide. Pas forcé pour rien, on utilise. Ouais. Puis il y en a aussi qui ont une tringle là, tout le tour là, en métal. Ça, c'est pas mal plus raide à rentrer. Ça, on est peut-être mal pris un peu avec ça. Mais là, comme celle-là, c'est relativement simple. Là. On y va doucement, on s'assure de ne pas coincer la chambre à air. On lève. Là, évidemment, il veut sortir de là, fait qu'il faut le retenir un petit peu. Fais attention pour ne pas coincer la chambre à air. Souvent, le problème vient aussi de coincer la chambre à air avec la flat. C'est ça, là. Puis là, vous faites une autre crevaison. C'est là qu'est le problème. Fait qu'on s'assure que la valve est bien droite. On pousse la valve vers l'intérieur pour être sûr qu'elle n'est pas coincée. Et on regarde, on fait le tour encore pour s'assurer que la chambre à air n'est pas entre le pneu puis et la jante.
Évidemment, auparavant, on regarde tout le temps si on ne voit pas quelque chose qui est planté dans le pneu ou encore quelque chose qui dépasse par l'intérieur. Ça va causer une autre crevaison. Dans ce cas-là aussi, il y en a qui se gardent des bouts de trip. Oui, des bouts de trip ou. Puis, on glisse. Un trou après le pneu. On le glisse à l'intérieur. Ah oui, il faut comme ça. Ou être mal pris, on prend un bout de carton, n'importe quoi, là, puis on glisse entre le pneu et la chambre à air. Au moins, ça bouche le trou pour se dépanner, là, parce que ça arrive des fois que le pneu est usé, puis là, ben, à ce moment-là, ben, on a un des problèmes avec ça. Mais en général, un pneu, c'est bon. C'est comme je vous dis, c'est bon à peu près 2 pour 1. 2 pneus arrière pour 1 pneu avant. Comme dans mon cas, ouais, ça dépend. Ça dépend de. Plus qu'il y a de la haute pression, probablement moins que ça va durer longtemps. Hein. Mais moi, ça dépend du poids de la personne aussi. Comme dans mon cas, il faut faire attention. Donc là, on fait le tour pour s'assurer. Et votre petit carton que vous pourriez mettre là, sur votre pneu, ouais. Il est perforé. Ça, c'est à condition que la chambre à air soit bonne. Oui, c'est ça. Quand on change la chambre à air, qu'on voit qu'il y a un trou, oui. un bon trou. Oui, pour protéger la chambre à air neuve. C'est ça. Okay. Parce que sinon, la chambre à air neuve va vouloir sortir par le trou. C'est, des fois, c'est pas, ça prend juste un petit trou de rien. Puis, de rien, c'est quand même assez gros. Puis la chambre à air sort légèrement du pneu. Fait que là, c'est certain que si vous roulez là-dessus, vous avez des bonnes chances de refaire une autre crevaison, ce sera pas long. Ouais, tu peux toujours essayer. Moi, j'ai jamais utilisé. J'ai jamais utilisé ça. Ouais, c'est ça. C'est, l'avantage de cet appareil-là, c'est que c'est facile à gonfler. Ça prend pas de place. Ça prend pas de place, c'est ça, c'est léger. Sauf que, il faut pas vous manquer votre coup. Non. Parce qu'il faut entraîner, deux, parce que ça arrive qu'on manque notre coup. Puis ça, ça vient très, très froid. Puis là, l'affaire aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est quand on gonfle, c'est de s'assurer que la valve est bien à côté, là, pour pas qu'elle rentre à l'intérieur, parce que là, c'est sûr que vous allez manquer votre coup. Puis s'assurer aussi que le petit bouchon est dévissé, parce que là, si vous essayez de gonfler avec le bouchon fermé, vous venez de scraper. On vient d'en scraper un. Fait que là, on va me démontrer. Là, je le pèse dessus pour être sûr que. OK. Il va tranquillement. On va voir si ça fonctionne. Ah, c'est bon. Et voilà. Il devrait normalement. Mais c'est bon pour un coup, ça, c'est le bonbon-là. C'est très froid. Ouais. Ça, sur le coup, ça surprend, ça vient geler. Ouais, ça gêne. Fait que là, on a bien réussi notre job parce que ça n'a pas crevé. Pour remonter la roue, ça, c'est un autre petit problème. Et je vous conseille d'avoir des gants. C'est des gants qu'on trouve à peu près n'importe où, en pharmacie ou n'importe quoi. N'importe où. Vous mettez ça parce que ça vaut à peine d'entraîner dans votre. Parce que de la graisse de bicycle sur une barre tendre, c'est pas tellement bon au bout. Est-ce que le vélo pourrait être mis carrément à l'envers? Ouais, ben oui et non. Souvent, moi j'aime mieux le mettre comme ça parce que c'est à l'envers. C'est toujours un peu. Souvent, il peut y avoir des câbles qui sont là, qui empêchent. Fait que moi, j'aime mieux comme ça, mais ça dépend des goûts. Évidemment, là, la chaîne est en position la plus. Sur la guire la plus petite. On prend toujours avec la main gauche, là, au banc. Et puis, on. Ouais, les freins aussi ont été. Les freins ont été dégagés. Pour pouvoir laisser. Parce qu'une fois que le pneu est gonflé, souvent, ça ne passe pas avec les freins. Il faut vraiment les écarter un peu. On glisse la chaîne entre le pignon, entre le haut et le bas du pignon, en tenant le dérailleur. On abaisse le dérailleur doucement.
Puis une fois qu'on est rendu, on s'assure que les freins, c'est bien rentré sur les freins. Et on tire la roue vers le haut. Là, moi, j'ai mon problème, c'est que ma roue, ma chaîne... Bon, OK. Une fois que c'est rentré, il s'agit de bien rentrer bien au fond. Voyons. Bon. Bien au fond, parce que ça aligne la roue. Quand vous le rentrez bien au fond de la cavité, la roue se trouve alignée automatiquement. Vous revissez légèrement. Quand on regarde ici, comment savoir si c'est assez vissé ou pas? On visse avec la manette à l'horizontale. Puis quand on voit que ça commence à être dur, en général, c'est parfait. C'est la tension parfaite. Puis là, il commence à être un petit peu trop raide. Fait qu'on le relève. C'est un petit peu trop dur. Et voilà pour la roue arrière. En fait, c'est relativement simple. Pour le démonter, je vais vous le refaire. Mais là, la chaîne est débarquée. Oui, bien, débarquée, mais c'est facile à rembarquer. Je vais vous montrer comment. Là, une fois que vous voulez l'enlever, on détend ça. On donne un coup sur la roue. Ça tombe tout seul. Vous voyez la chaîne où est-ce qu'elle est? Le pignon est toujours entre les deux chaînes. Fait que vous la remettez sur la dernière. Vous tenez votre dérailleur, vous assurez que ça passe en haut pour les freins et vous remettez la pression qu'il faut. Pour rembarquer la chaîne, bien, c'est relativement facile aussi. Vous reprenez votre roue, votre auban, puis vous n'avez qu'à repédaler. Et normalement, la chaîne rembarque seule. Puis c'est pratique parce que pour l'avant, c'est un peu le même principe. En général, le quick release est toujours du côté opposé du haut dérailleur. Quand on regarde ici, le quick release, c'est ça ici, toujours à l'opposé du côté du dérailleur. On avait desserré les freins. Si quelqu'un ne le faisait pas... C'est pas grave pour la roue avant. Oui, c'est plus esthétique comme ça. C'est ça. Puis ici, bien, évidemment, on s'assure que les freins n'ont pas été désajustés. Si vous n'avez pas desserré les mâchoires des freins, il se pourrait que votre frein soit désajusté puis que vous allez trouver que votre vélo est difficile à rouler un peu. Tout d'un coup, ça devient plus forçant. Fait que c'est assez important de desserrer les freins. Moi, c'est facile parce que j'ai des petits boutons, là. Je resserre mes freins. Mais la majorité des vélos, c'est des câbles ici qu'il faut enlever. Il faut défaire le câble. Il faut défaire le câble. Là, j'en ai pas de vélo pour ça. Est-ce qu'il ne faut pas séparer ça manuellement? Bien, c'est parce que vous allez désajuster les freins. Quand on désajuste les freins, tout à coup, le vélo devient dur à rouler. Pour ça, ensuite, mais pour un frein, les vélos à frein à disque, ça, c'est plus complexe un peu. Ce qui est bien important, les vélos de frein à disque, si on regarde celui-là, c'est maintenant, c'est bien populaire, c'est efficace, mais c'est un petit peu plus compliqué lorsqu'on vient pour changer la roue. Les freins à disque, eux autres, on n'a pas besoin de les desserrer, mais il ne faut surtout pas appliquer les freins quand vous démontez la roue. Il ne faut pas faire ça, parce que les mâchoires se referment, puis vous risquez d'avoir des problèmes à remettre la roue ensuite. Là, ce qu'on fait, on enlève encore le quick release, on le baisse. On touche surtout pas au frein, surtout pas au frein. On enlève la roue, on dévisse un petit peu. Et on glisse doucement. Oui, c'est ça. Pas tout à fait assez encore. Bon. Encore un peu. Donc, vous ne touchez pas au frein, mais vous n'avez pas besoin de déclencher comme ça. Non, pas besoin, mais il ne faut pas y toucher. Parce que là, oups, c'est le computer qui part. On enlève la roue. Puis pour la remettre, bien, il faut être gentil un peu. Là. Il faut y aller doucement. On la remet. Et on serre. Mais si vous avez eu le malheur de serrer les mâchoires, ça prend un tournevis pour écarter, ça commence à être plus compliqué un peu. Et si on n'oublie pas de ne pas toucher au frein?
Aucun problème. Finalement, c'est plus facile jusqu'à un certain point. Oui, pas à déclencher rien. Puis c'est très efficace, les freins à disque. Mais ici, on a un autre genre de pneu qui est plus confortable. Il y a moins de pression dedans qu'un pneu de compétition. Et puis, bien, on resserre. On s'assure que la manette est à peu près à l'horizontale. On serre jusqu'à temps que ça soit à peu près. Ça commence à être difficile. Et on relève. Voilà. Si on roule, puis la roue s'en va tout seul en avance. Alors vous allez avoir un trou. Ça peut-être pas être assez serré. Fait que. Ah ben j'ai déjà vu à des compétitions où justement on n'avait pas assez serré la roue. Le gars il attaque puis tout à coup la roue s'en va. Il en a pris une méchante, une méchante débat. Ben, est-ce qu'il y a des questions? En arrière, c'est le même principe. Même principe. Ici on voit. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que là, il est sur la grande roue libre à l'arrière. Il faut l'amener à la plus petite. Fait que ici, c'est un autre genre de vitesse, mais c'est le même principe. On l'amène au plus petit. On tourne la roue. On touche pas au frein. Toujours la même consigne, pas de chauffe. Touche pas au frein. on desserre. Et puis, on lève un peu. On desserre un peu. Dans le fond, on veut tout éviter ce problème-là, tu veux éviter ta champagne. Oui, c'est. La majorité des crevaisons, c'est dû à un sous-gonflement. Il faut gonfler comme il faut. Si on gonfle comme il faut, moi, ce que je vous suggère, moi, ce que je fais, c'est que je dégonfle à toutes les fois, mais pas complètement. Juste pour dire d'enlever de la pression, parce que sinon, votre chambre à air va. Ouais, c'est parce que le point faible, c'est la chambre à air. Si, pas la chambre à air, c'est-à-dire la valve. Si vous conservez toujours de la pression, ben c'est là que ça va. Vous allez avoir un problème là, souvent. Vous enlevez la roue. Même chose, vous regardez, la chaîne est toujours le pignon est toujours entre les deux chaînes. Vous enlevez la roue. C'est la même chose. C'est là qu'ils pratiquent les gants. Oups! Et on remet la roue. Ça, c'est un petit peu plus. Oups, c'est quoi ça? On remet ça. Entre les deux. On abaisse tranquillement. On s'assure que c'est bien dans le fond. Bien important d'être au fond comme il faut. Hop. C'est toujours un peu le frein à disque, là, c'est plus compliqué à remettre la roue arrière. Et on est bien au fond. Automatiquement, quand on le met au fond, il s'ajuste automatiquement. La roue est centrée. Idéalement, c'est mieux de le faire à deux parce que c'est plus facile, là. Mais en compétition, je peux vous dire que ça prend 10 et 20 secondes de changer une roue puis repartir. Ouais. Ah oh ben, on n'est pas pressé. Mais si on veut tout éviter, je veux dire, pas parce qu'on ne veut pas travailler avec une pression. Dans le fond, c'est de faire vérifier ton vélo régulièrement. Ben, c'est de mettre la bonne pression. Ça sauve à peu près tous les problèmes. Oui. Là, évidemment, il faut le remettre à une vitesse plus facile parce que ça, c'est dur à partir. Là. Mais on peut le remettre en vitesse un peu plus facile. Et voilà. Ça, je ne sais pas d'où ça vient, là, mais c'est un morceau de. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus d'où ça vient, là. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est une fois que vous allez l'avoir fait une fois, là, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Il s'agit de ne pas pincer la chambre à air. C'est surtout ça qui est important. Puis le reste, ben, il s'agit d'avoir les bons outils
pour démonter puis remonter ensuite en espérant pas trop faire les crevaisons.